Salut, c'est Trado. Voilà, vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Alors, j'avais terminé la vidéo de vendredi en disant qu'il y avait de la place pour un rebond technique dans une tendance de fond baissière. Alors oui, c'est sûr, la tendance de fond est baissière, mais il n'y a pas eu de place pour le rebond technique, hein. Avec les résultats du premier tour, plus les incertitudes sur le plan politique au niveau pays, aux Pays-Bas, eh bien, on a ouvert avec une forte chute par rapport à vendredi et la baisse s'est accélérée. Bon, il y a une petite mèche basse aujourd'hui à la fin de séance, ce qui montre bien que bon, il y a eu quelques rachats à bon compte, mais l'important n'est pas là. Le plus important, c'est que il y a eu quand même une sacrée dérouillée avec près de 3% de baisse, hein, plus de 3% à un moment. Alors au moins ça va nous permettre de faire un petit peu le ménage, puisque bon, j'avais parlé depuis maintenant plusieurs semaines de l'existence de cette tasse avec anse ici, dont la ligne d'eau correspondant au segment bleu ici, invitait à aller chercher l'objectif de la tasse reportée en dessous de la ligne d'eau, c'est-à-dire le segment ici. Bon, on voit que l'objectif a été atteint en cours de séance, donc je vais l'enlever, ça ne me sert plus à rien maintenant. Nous avons néanmoins d'autres objectifs sur nos petites tablettes, puisque on a également sur le feu un trade de Fibonacci, hein, ça j'en ai parlé déjà la semaine dernière. L'idée c'est que comme vous pouvez le voir sur le graphique, hein, on est venu entre les plus hauts du 3 avril et les plus bas du 13 avril, on a connu une vague de baisse, puis on est venu retracer 38,2% de cette baisse. C'était le 17 avril, et pour ceux qui ont vu mon webinaire sur les Fibonacci, vous savez très bien ce que ça signifie. C'est-à-dire que normalement, on reporte la distance parcourue entre la fin de la vague et le retracement qu'on reporte en dessous de la fin de la vague. Bon, clairement, c'est le segment noir ici que j'ai reporté en dessous, et ça nous invite à aller chercher à peu près les 3060 ici. Bon, ben, on est en route vers cet objectif. Cet objectif est valable tant qu'on ne réintègre pas les 3177, hein, certain qu'on ne réintègre pas le niveau de fin de vague de baisse qu'il y a eu entre le 3 avril et le 13 avril. Sinon, eh bien, en prenant un petit peu de recul, on voit toujours que nous sommes en transhumance, hein, vers la médiane de la fourchette d'Andrews noire, ici, qui est maintenant vraiment assez proche des cours, hein. On est plus proche d'aller chercher la médiane que de s'extraire de la fourchette d'Andrews noire. La médiane appelle les cours sur les 3000 à peu près. Voilà, donc pas grand-chose de positif, bien au contraire, il y a eu une sorte de sell-off, hein, aujourd'hui. On a également au niveau des indicateurs techniques un concentré de mauvaises choses. Le stochastique qui avait indiqué une divergence haussière, eh bien, a été invalidé puisque finalement maintenant on a fait un plus bas sur les cours et sur l'indicateur. Et nous sommes toujours en dessous du signal et en zone de survente, donc c'est pas bon. Le MACD, pareil, hein, il s'enfonce en territoire négatif sous son signal, c'est pas bon non plus. Et le momentum, pareil, on avait une divergence haussière là, puisqu'on n'avait pas fait de plus bas sur l'indicateur alors qu'on avait fait un plus bas sur les cours. C'est chose faite, maintenant on a un plus bas sur les indicateurs et sur les cours. Donc on invalide la divergence haussière. Donc tout est mauvais. Voilà, donc ne vous leurrez pas, peut-être que demain on va corriger un petit peu la forte baisse d'aujourd'hui, mais la tendance, hein, on est en dessous d'une M20 croissante, en dessous d'une M7 croissante, donc il n'y a pas à tortiller, on est en tendance baissière. Voilà. Il reste encore 2 jours pour vous inscrire pour le webinaire consacré aux moyennes mobiles et aux bandes de Bollinger. Donc n'hésitez pas à le faire, hein, c'est du logiciel lourd qu'il y a derrière, donc il y a 9999 places disponibles, hein, donc jusqu'au dernier moment vous pouvez vous inscrire. Voilà, bonne soirée, bon trade, et à demain.